Salut à vous mes petites fourmis, j'espère que vous allez bien. Alors, plusieurs d'entre vous me l'ont demandé et vous avez du mal à accéder à l'abreuvoir à oiseaux qui se trouve au sud. Alors, on va regarder un petit peu sur la map. Et vous avez ici, là, voilà. Ici, on a l'abreuvoir à oiseaux. Et en fait, il y a une tyrolienne pour y accéder. On peut poser une tyrolienne. Mais plusieurs d'entre vous ont du mal à y accéder et à monter avec du matériel. Alors, on va voir ensemble. J'aurais dû aller plus loin dans le tuto la dernière fois et vous expliquer comment faire pour y amener du matériel. Donc, on va partir ensemble. Qu'est-ce que j'ai pris pour ce tuto? J'ai pris des armes parce qu'on va devoir se débarrasser de plusieurs araignées. J'ai pris de quoi fabriquer la tyrolienne. Donc, il nous faut de l'argile. Il nous faut de la corde en soie. J'ai pris de quoi fabriquer des trampolines. Donc les trampolines, on verra ensemble tout à l'heure où est-ce qu'ils sont et à quoi ils servent. J'ai pris de la nourriture, évidemment, comme d'habitude, quelques armes. Et j'ai pris l'armure araignée, fourmi, histoire de pouvoir transporter un peu plus de choses. Ce qu'on va faire, c'est que je me mets en route et puis je vais vous expliquer aussi par où on va passer. Allez. Nous voici dans le biome de la haie. Ici, on est juste à côté du poste de recherche. Vous voyez, là où il y a le trombone pour grimper. Ok, le poste de recherche est juste au-dessus de notre tête là. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va partir dans cette direction-là. On va traverser le biome. Cela va nous permettre d'essayer d'éviter les araignées. Vous allez voir qu'on n'aura pas le choix. Il y en a quelques-unes qu'on va devoir combattre. Mais on va avancer par là. Faites attention, il peut y avoir des araignées dans le coin, hein. On avance, on avance. Attention de ne pas trop longer sur la gauche parce qu'il y a un endroit où il y a des moustiques qui spawnent. Il m'a fait peur lui. Bon, allez, là-bas il y a une araignée, on l'évite. Voilà, on va vouloir arriver ici. Pour vous indiquer que vous êtes arrivé au bon endroit, ici il va y avoir plusieurs araignées au sol. Vous voyez cette branche avec les champignons là, on voit le laboratoire en haut. Donc c'est ici qu'on va vouloir installer nos constructions pour monter. Vous voyez qu'on a le bain à oiseaux qui est là, avec le muret derrière. Je vous montre où on est sur la carte, on est dans le coin. Donc ici, il y a plusieurs araignées qu'on va vouloir tuer. N'hésitez pas à vous faire une petite sauvegarde, tout simplement ici. Voilà. Si je rapproche mon micro, c'est mieux. Donc ici, il y a plusieurs araignées. On veut s'en débarrasser. Faites attention de potentiellement les aggro que une par une. Voilà. J'ai battu la dernière. Normalement, on devrait être tranquille. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir construire quelque chose pour monter là, sur cette branche. Vous pouvez voir que si vous essayez de grimper, ça ne fonctionne pas. Par contre, depuis la dernière mise à jour, ce que l'on peut faire, c'est venir poser. Hop, pardon. Des planchers sur les éléments de décor. Donc ici on va vouloir en poser un là. Et on va le poser comme ça. Faut qu'on puisse monter dessus. Et on va en poser un deuxième. Voilà. Alors, on va aller chercher de l'herbe et on va construire ça. Alors une fois qu'on a commencé à mettre le premier mur, on va vouloir poser ici une toile pour rebondir. On va aller dans Fabriquer. On va venir dans le mobilier. On va poser une toile trampoline que l'on va poser au bout ici.
Voilà. On va la fabriquer. Ça va nous permettre déjà de monter plus haut. Mais vous pouvez voir que ça va pas être suffisant. Donc il va falloir qu'on en fabrique une deuxième. Voilà, vous pouvez voir. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on retourne dans la construction. On va prendre de nouveau des planchers en herbe. Et on va pouvoir poser, grâce au rebondissement, un autre plancher plus haut. Alors ce que vous faites, c'est que le deuxième plancher, il faut qu'il soit décalé pour que vous puissiez y accéder. Voilà, hop. On est au pied donc de notre abreuvoir. On a fait notre petite construction. Vous pouvez facilement monter par ici. Également. Voilà. On a nos 6. On a nos 6 branches de pissenlit, histoire de pouvoir faire notre construction de tyrolienne. Et maintenant qu'on a fait ceci, on va pouvoir monter. Donc, on a notre première trampoline. Notre deuxième trampoline. Et grâce à ceci, on peut monter. Ici, vous avez une tyrolienne qui vous permet d'aller combattre l'araignée qu'il y a sur le frisbee. Mais c'est pas ça qu'on veut faire, nous. On va remonter. On va utiliser les champignons ici. On va continuer à monter. On va arriver ici à une petite, un petit avant-poste. Mais on va continuer ici. Après, vous connaissez sûrement le chemin déjà. Voilà. On va redescendre là. On va remonter. Pour arriver sur cette branche-ci. Ok? Donc on est monté là-bas. On est remonté jusqu'ici. Et arrivé là, on a notre tyrolienne en face. On va poser notre tyrolienne. Alors attention d'être bien plus haut que la tyrolienne qui est là-bas, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. On va construire notre tyrolienne. On va attacher une tyrolienne jusque là-bas. Vous voyez qu'il nous faudra deux cordes en soie. Donc faites gaffe, bien penser à en prendre suffisamment. On les fabrique. Et à partir de là, on va pouvoir s'accrocher. Pour accéder. Laisse-nous tranquille, toi. Pour accéder facilement, regardez, hop, à l'abreuvoir à oiseaux. Voilà, nous y voilà. Donc, on est d'accord. Au pied de l'abreuvoir, ici. Vous avez le petit muret là-bas qui est en face. Je vous remontre sur la carte. Vous voyez, on se trouve ici. Ok. Vous pouvez remonter par là. Je vous montre, regardez, vous avez les champignons là, l'abreuvoir. Ok. Vous pouvez monter par ici. Attention, si vous montez directement ici et que vous passez pas par le chemin que je vous ai montré au départ, vous allez tomber directement nez à nez avec les araignées. Alors vous pouvez le faire. On va poser les constructions ici. Vous voyez, vous avez une feuille pour vous aider à vous repérer. Hein. Ok. Je vous montre bien comment ça se passe ici. Avec une branche ici avec des baies. On va poser nos constructions là. Donc deux murs, deux plateformes à chaque fois. Hein. Une plateforme qui est accrochée à l'arbre. Une deuxième plateforme pour poser le trampoline. Et avec deux plateformes, vous êtes tranquille pour monter. Une fois arrivé en haut, vous montez par ici. Vous allez jusqu'à la petite. Le petit avant-poste ici.
Une fois sur l'avant-poste, on va redescendre. Traverser. Traverser encore. Une fois là, on remonte. C'est d'ici que l'on arrive lorsque l'on fait le tour par le départ. Mais peu importe. On continue à monter. Arrivé ici, vous posez votre tyrolienne. Et voilà comment on accède à l'abreuvoir à oiseaux. Comme ça, vous pourrez poser votre marqueur si vous avez une mission à faire. Peu importe les raisons qui vous demandent de monter ici, mais vous savez comment le faire. J'espère que ce tout petit tuto vous aura été utile. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous sont compliquées. Et on pourra voir ensemble si c'est faisable et si on peut faire un tuto dessus. Si je peux vous aider, c'est tout le but de la chose. N'oubliez pas, par contre, pour ne pas louper les autres tutos, de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Et si vous le pouvez, faites revivre les vidéos de la chaîne en les partageant sur vos réseaux. Je vous dis à la prochaine. Ciao mes petites fourmis! Quand le monde a été créé, qu'il était encore recouvert d'océans et de mers glacées, il les a dominés. Quand les dinosaures étaient les maîtres du monde, il les a apprivoisés. Lorsque le singe a voulu évoluer, il a rédigé lui-même la théorie de l'évolution. Lorsque les premiers hommes ont mis les pieds sur la Lune, il a posé le premier pied sur Mars. Avant qu'il ne le décide, la Terre ne tournait pas. Mais, attendez, c'est pas lui le héros, c'est vous.